La fonction stop and start permet de diminuer la consommation de carburant et l'émission de gaz à effet de serre grâce à la mise en veille automatique du moteur lorsque votre véhicule s'immobilise à un feu rouge ou dans un embouteillage, par exemple. Un témoin d'avertissement apparaît alors au tableau de bord pour vous signaler que le moteur a été mis en veille par le système. Naturellement, les équipements du véhicule restent en fonction pendant cette durée. Lorsque vous appuyez de nouveau sur la pédale d'embrayage et engagez une vitesse, le moteur redémarre. Dans certaines situations, notamment aux intersections, il vous est possible de maintenir le moteur en fonctionnement en vue d'un démarrage rapide. Pour ce faire, maintenez la pédale d'embrayage enfoncée lors de l'arrêt. Vous pouvez également désactiver la fonction Stop and Start en appuyant sur ce bouton. Le témoin du contacteur s'allume pour vous signaler que le système est désactivé. Un nouvel appui réactive la fonction, le témoin s'éteint alors. Notez que le Stop and Start est toujours activé par défaut à chaque nouvelle utilisation du véhicule. Enfin, gardez à l'esprit que certaines conditions sont susceptibles d'empêcher la mise en veille du moteur, comme une température extérieure trop basse ou trop élevée si la marche arrière est enclenchée ou encore si la batterie n'est pas suffisamment chargée. Dans ce cas, un témoin A barré apparaît au tableau de bord pour vous signaler que la mise en veille du moteur n'est pas disponible.